Alors aujourd'hui, on va vous présenter le tout nouveau MoucheChef de chez Fresh, la nouvelle alternative en turbine sorbetière émulsionneuse qui nous vient de Suisse. Cet appareil va vous permettre de réaliser aussi bien des préparations sucrées que des préparations salées, des glaces, des sorbets, des mousses, également des farces, des coulis, des concentrés. Pour cela, on va utiliser les accessoires qui sont fournis avec le joint noir, la lame racloir, le porte-bol et les bols. Bol inox avec couvercle. Donc, on va faire notre préparation. On va venir remplir le bol jusqu'à cette limite. Là, on va être à peu près une préparation de 800 ml. Et on va placer le tout au congélateur pour atteindre une température aux alentours des moins 20 degrés. Pour vous montrer un petit peu le fonctionnement du MoucheChef de Fresh, on a une préparation qui est déjà préparée et congelée à moins 20 degrés. Donc on est sur une crème anglaise avec 3 sneakers qui ont été congelés dedans. Donc en fait, ils sont scellés, pour ainsi dire. Donc on peut bien voir les couches de cacahuètes, caramel, le chocolat qui enrobe le sneakers et la crème anglaise autour. Donc encore une fois, le tout congelé à moins 20 degrés. Donc on va venir placer tout simplement le bol dans le porte-bol. On va utiliser la fameuse lame racloir, le joint noir. On va mettre l'ensemble sur la tête d'axe du MoucheChef. Le porte-bol poignée à 90. Et on va venir rabattre. Hop. Et on penche la petite sécurité devant. À partir de là, je vais pouvoir sélectionner un nombre de portions. Donc je peux demander à l'appareil de réaliser 3, 4, 5 portions, voire 10 portions dans un bol. On a une préparation de 800 ml, 10 portions. Là, on va partir sur 3. Je peux demander également au MoucheChef de réaliser un seul passage, ou si je le souhaite, plusieurs passages, 2, 3, 4, ainsi de suite, en fonction des préparations pour obtenir des textures qui vont être plus ou moins différentes. Vous avez également la possibilité de jouer sur l'intensité, la vitesse de l'appareil, donc de moins 2 à plus 2. L'avantage sur des préparations qui vont être à une faible teneur de matière grasse ou sucre, on va plutôt descendre à moins 2 de manière à travailler le produit un peu plus longtemps. A contrario, sur une préparation chargée en sucre ou en matière grasse, surtout en matière grasse, on va travailler en plus 2. Le cycle va être moins long, on va éviter d'avoir ce côté un peu beurré sur la préparation et vraiment d'avoir de jouer sur des textures, mais surtout des arômes qui vont être complètement différents. Ça, c'est vraiment l'intérêt de notre MoucheChef. Vous avez également un mode turbo qui va vous permettre de réaliser un bol en 90 secondes contre 3 minutes 30 en général pour des bols qui ont déjà été foisonnés par la machine sur le service du midi, par exemple, repassés au dur pour le soir. Le soir, je vais tout simplement utiliser sur ces bols-là le mode boost. Voilà, donc je vais revenir à ce qu'on disait. Le test sur notre fameuse glace sneakers, donc 3 portions. Et on va tout simplement lancer l'appareil. Voilà, donc il a terminé. On va tout simplement rabattre le bol en sens inverse, le porte-bol, descendre le bol. Et voilà. Là, on a notre fameuse glace sneakers.